Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons apprendre les bases du SketchUp Pro 2021 pour les débutants. Et au terme de ce tutoriel, vous serez en mesure de modéliser un projet avec SketchUp Pro 2021 facilement et d'avoir une bonne prise en main du logiciel. Nous allons voir pas à pas l'écran de démarrage. Vous faire la présentation de l'interface et voir la personnalisation de votre interface. Nous allons voir la visualisation 3D et la navigation, les outils de dessin, comment s'effectue la sélection d'un SketchUp Pro 2021 et le tout sera couronné par des exercices de synthèse pour vous permettre d'appliquer, bien de pratiquer les outils qu'on aurait vus précédemment. Sans tarder, nous allons voir l'écran de démarrage. Au démarrage du logiciel, si vous ouvrez SketchUp Pro 2021, vous avez en face cet écran d'accueil où il faut choisir un nouveau modèle parmi ces modèles en défaut que le logiciel vous présente. Donc, vous avez ici un modèle architecture en pouces, vous avez ici un modèle simple en mètres, un modèle architecture en centimètres, un modèle simple en pouces, un modèle architecture en millimètres et un modèle architecture en mètres. Et ça, c'est des modèles par défaut que le logiciel vous présente. Maintenant, selon l'unité avec laquelle vous voulez faire votre travail ou bien votre dessin, vous aurez à choisir un modèle parmi ces modèles que le logiciel vous présente. Par exemple, si nous voulons travailler en mètres, nous pouvons prendre le modèle ici nommé simple en mètres. Et par ailleurs, si vous voulez le définir par défaut, vous cliquez sur le petit cœur en blanc ici que vous voyez pour le rendre noir. Voilà, vous le prenez et là ça devient le cœur, devient noir, ça veut dire que ce modèle a été maintenant défini par défaut. Et pour l'ouvrir, il suffit de faire un double clic sur le modèle, patienter un peu que votre logiciel s'ouvre. Et voilà, à l'ouverture, vous avez cette interface que nous allons vous expliquer dans la partie qui vient. Nous avons l'interface du logiciel qui se présente comme suit avec la barre des menus et la barre des outils que vous voyez ici. Mais ce qu'il faut savoir est que ici vous avez tout simplement les outils du premier pas qui s'affichent. Donc vous avez la possibilité d'améliorer l'interface en y ajoutant d'autres outils. Cependant, pour voir ces plus d'outils dont nous avons parlé, vous pouvez faire un clic droit sur la barre des outils et sélectionner la barre d'outils tout à fait en bas pour l'ouvrir. Je viens ici, je fais un clic droit et tout à fait en bas, vous prenez la barre d'outils. Donc ici, vous pouvez constater qu'il a été simplement coché premier pas. Donc c'est les outils du premier pas que vous voyez actuellement sur la barre d'outils. Donc, vous pouvez l'améliorer. Il faut cependant cocher grand jeu d'outils. Et dès que vous le cochez, vous voyez, donc vous avez à gauche une palette beaucoup plus large d'outils. OK? Donc là, je vais décocher le premier pas. Voilà, pour que qu'il ne reste que le grand jeu d'outils, vu qu'il y a déjà des outils qui se trouvaient dans le premier pas qui sont également dans le grand jeu d'outils, donc c'est pas utile de le maintenir. Ok, on peut également cocher les vues, les différentes vues. Voilà, et vous voyez que c'est là à côté. Donc c'est comme ça que l'on fait pour améliorer, voilà, l'interface. Ok, vous pouvez également afficher ces outils en allant tout simplement sur affichage.
Au lieu de faire un clic droit sur la barre d'outils, vous venez affichage et là vous avez directement barre d'outils. Vous le prenez, vous faites le même travail que tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que l'on fait pour personnaliser, voilà, son interface à l'ouverture. Voilà, on a activé l'écran jeu d'outils et on a activé également les différentes vues du dessin pour rendre notre interface beaucoup plus intéressante. Voilà, donc nous allons voir prochainement comment faire la navigation dans votre logiciel SketchUp, mais également comment s'effectue la visualisation en 3D. Pour la navigation dans votre logiciel SketchUp Pro 2021, nous allons utiliser principalement les outils que vous voyez ici en bas. Donc, il y a l'outil Orbit que vous voyez ici, l'outil panoramique représenté sous forme de main, l'outil Zoom, voilà, sous forme de loupe, et l'outil Zoom fenêtre, une loupe avec un rectangle, et l'outil Zoom étendu également. Donc, ce sont ces éléments, bien ces outils que nous allons principalement vous expliquer pour faire la navigation dans le logiciel SketchUp Pro 2021. L'outil Orbit, cet outil vous permet de vous déplacer autour de votre modèle ou de votre dessin. Supposons qu'on a ici notre modèle que vous voyez ici. Donc, je vais utiliser l'outil Orbit, je le sélectionne et je viens cliquer sur le bouton gauche de ma souris. Je le laisse enfoncer et j'effectue voilà, des déplacements comme ça. Donc, il faut cliquer et tourner. Voilà, c'est comme ça qu'on manipule l'outil Orbit. Donc, l'outil Orbit permet tout simplement de vous déplacer autour de votre modèle comme on est en train de le faire comme ça. Donc, si comme je suis en train de me déplacer, j'ai appuyé sur le bouton gauche de ma souris sans lever le doigt et là, je suis en train de, voilà, de tourner autour de mon modèle. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne l'outil Orbit. Après, il y a l'outil panoramique et qui vous permet, et cet outil matérialise d'abord par la main, permet de vous déplacer soit horizontalement ou verticalement. Donc, je viens le sélectionner. Vous voyez, mon curseur a changé et représenté maintenant par cette main. Donc, pour me déplacer horizontalement ou verticalement, j'appuie comme tout à l'heure sur le bouton gauche de ma souris. Voilà, j'ai appuyé et là, je déplace mon curseur de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Donc, ça permet de vous déplacer horizontalement ou verticalement, comme je suis en train de le faire. Donc, ça, c'est l'outil Orbit. OK? Après, il y a l'outil Zoom. Voilà, l'outil Zoom, comme son nom l'indique, permet d'effectuer, d'agrandir ou de réduire, voilà, votre modèle. Donc, vous pouvez faire un zoom avant, un zoom en arrière. Le zoom avant permet d'agrandir le modèle et le zoom arrière permet de réduire le modèle. Je le sélectionne. Voilà, l'outil Zoom, je l'ai sélectionné. Donc, si je veux agrandir le modèle, je vais faire un zoom avant. Donc, il suffit de cliquer sur, d'utiliser la molette de votre souris. Voilà, là, je suis en train de faire un zoom avant et ça augmente la taille de mon modèle. Maintenant, pour réduire, il faut faire un zoom arrière. Vous voyez, toujours j'utilise la molette, voilà, de ma souris. Vous voyez, donc, vous suivez ma molette de votre souris, il faut faire un zoom avant, un zoom arrière. OK? Maintenant, il y a aussi le zoom fenêtre. Maintenant, zoom fenêtre va permettre tout simplement d'effectuer un zoom dans la fenêtre de sélection. Je le sélectionne. Si je veux agrandir le modèle, j'effectue ici une fenêtre de sélection. Vous voyez, et si je laisse, ça va agrandir cette partie qui se trouve dans le
tout simplement un rectangle de sélection. Voilà, vous voyez que ça a augmenté sa taille. Voilà. Après, il y a également zoom étendu. Ça va effectuer un zoom avant ou arrière. L'outil zoom étendu, voilà, comme sur AutoCAD, hein, permet dans SketchUp d'afficher le modèle à sa taille, voilà, initiale, voilà, à la suite d'un zoom avant ou arrière. Ok, donc là, je peux cliquer sur un zoom, zoom étendu, et vous voyez, ça me revient à la taille précédente. Donc, c'est ça que ça permet de faire. Ok, vous voyez, je suis à cette position, j'effectue un zoom arrière. Pour revenir à cette position initiale, je clique et vous voyez, ça me ramène à cette position. Donc, c'est ça son rôle. C'est ce que ça permet de faire. Ok. Maintenant, on peut passer voilà, à la visualisation 3D. Et pour faire la visualisation 3D, on doit utiliser en fait les différents modes de vue pour passer d'une vue à une autre. Et vous voyez, on avait déjà activé ces modes de vue. Donc, pour passer de cette face à l'autre, ainsi de suite, il faut manipuler tout simplement ces modes de vue. Actuellement, c'est la vue ISO qui est active. Donc, je peux voir ici, pour voir ici le dessus, il faut activer la vue de dessus. Et la vue de dessus est là, je clique, vous voyez, là, j'ai la vue de dessus. Ok, on peut également voir la vue de face. Ok, vous voyez, ça c'est la face principale. Donc je retourne à la vue ISO. Donc c'est cette face là pour voir cette face. Je clique ici et vous voyez la vue de face. Ok, et pour passer de l'autre face, je prends la vue de droite et vous voyez, ça va montrer l'autre face. Ensuite, il y a la vue de la vue arrière, voilà, ça montre l'arrière de mon modèle. Et là, vous avez la vue de gauche. Donc, pour parcourir les différentes faces, passer d'une face à une autre, il faut tout simplement utiliser ces modes de vue. Je retourne à la vue ISO. Ok, voilà, vue de dessus, vue de face, vue de droite, vue de gauche et la vue arrière. Donc, c'est tout simplement simple. Est facile à utiliser. Donc sans tarder, nous allons passer dans la suite aux outils de dessin dans SketchUp Pro 2021. Nous allons voir les outils qui nous permettront de dessiner notre modèle et que l'on appelle des outils de dessin dans votre logiciel SketchUp. Et ces outils de dessin sont représentés par les outils ligne, main levée, rectangle, cercle, polygone, arc, arc à deux points, arc à trois points, et vous avez ici portion de cercle. Donc ça, c'est ça qui représente les outils de dessin dans votre logiciel SketchUp Pro 2021. Mais toujours, il faut retenir que pour commencer, à dessiner votre modèle, affichez d'abord la vue de dessus et activez la projection parallèle dans caméra. D'accord? Donc je viens ici au niveau des différentes vues que vous voyez ici. Donc activez la vue de dessus. Vous voyez, vue de dessus activée. Venez dans caméra, ici, dans la barre des menus. Vous cliquez et prenez projection parallèle si ce n'est pas encore fait. Ok? Je le prends et là vous voyez projection parallèle a été activée. Maintenant, je vais d'abord utiliser l'outil ligne. Maintenant, on va vous expliquer les outils un par un. Voilà, l'outil ligne sert à dessiner des arêtes d'un point à un autre. Ok, donc des lignes. Mais avant de commencer, il faut noter que dans SketchUp, il faut savoir que dans SketchUp, vous avez toujours un petit didacticiel, voilà, à droite, pour vous montrer comment utiliser les outils si vous ne les maîtrisez pas encore.
Donc, vous voyez, à chaque fois que vous sélectionnez un outil, par exemple, je sélectionne l'outil ligne. Une fois que l'outil ligne est sélectionné, vous avez ici, vous avez à droite, voilà, un didacticiel qui vous explique comment manipuler cet outil. Donc, c'est très pratique avec ce didacticiel si vous n'êtes pas encore familiarisé à ces outils. Maintenant, une fois que vous aurez l'habitude, vous n'aurez plus besoin de lire comment utiliser, par exemple, voilà l'outil. Et là, vous avez ici là, toute la démarche pour bien manipuler l'outil. Je rappelle que cet outil ligne permet de dessiner tout simplement des entités lignes. Okay? Donc, si je l'ai sélectionné, c'est actif. Si je veux dessiner une ligne, voilà, je d'abord sélectionne le point de départ. Je le prends ici. Vous voyez, j'ai pris le point de départ. OK, maintenant, il me reste à définir le point d'arrivée. Soit je clique quelque part ici pour matérialiser le point d'arrivée. Si je veux faire une ligne d'une distance bien connue, par exemple de 5 mètres, il faut tout simplement taper la valeur sur votre clavier et valider par la touche Entrée. Si je veux une ligne de 5, mais je tape 5 et puis je valide par la touche Entrée de mon clavier. Et là, vous voyez que j'ai matérialisé une ligne qui fait 5 mètres. OK? Donc, si vous voulez également dessiner une autre ligne, vous continuez. Voilà, je sélectionne et j'ai ici des zigzags. Je matérialise des zigzags, voilà, avec l'outil ligne. Vous voyez, si vous voulez revenir au point initial, vous pouvez venir tout simplement fermer. Donc, si vous fermez en ce moment, vous aurez créé une surface. Donc, on va montrer avec un autre exemple. Ici, on a créé des lignes. OK, pour sortir de la commande, vous appuyez sur la touche Échappe de votre clavier, tout simplement. Voilà. Faisons un autre exemple où on va fermer pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà, je crée d'autres lignes en prenant le départ ici. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas entrer de valeur. Je suppose que l'origine est là et ça prend le point d'arrivée est là. Donc, pour créer une seconde ligne, voilà, l'origine est là. L'arrivée à ce niveau. Je suppose qu'on va créer un triangle. Donc, je le ferme à ce niveau, au point de départ. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que vous avez créé une surface. Donc, à chaque fois que vous créez des lignes fermées, donc, je sais que vous aurez créé des surfaces. Donc, c'est comme ça qu'on manipule l'outil ligne. Maintenant, passons à l'outil main levée. Je le prends. L'outil main levée, quant à lui, ça permet tout simplement de dessiner des courbes régulières. Voilà. En entité polyligne. OK? Donc cet outil, pour le manipuler, on le sélectionne, puis on clique. Voilà, il faut appuyer sur le bouton gauche d'abord de la souris et déplacer pour tirer un trait. Pour matérialiser un trait, j'enfonce le bouton gauche de ma souris et voilà, je me déplace. Vous voyez? Donc là, vous vous déplacez. Voilà, pour matérialiser ce que vous voulez matérialiser. OK? Vous voyez, c'est là actuellement. Vous le fermez ici au point de départ et là, vous créez tout simplement une surface. OK? À chaque fois que vous utilisez des outils ligne ou polyligne, si vous reliez le point de départ et le point d'arrivée, ça c'est que vous avez toujours des surfaces. Donc, c'est comme ça que l'on utilise l'outil polyligne. OK? On peut, voilà, on l'utilise comme ça. Tout simplement, on enfonce notre souris. Voilà, et on se déplace pour matérialiser nos lignes. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne cet outil. D'accord? Maintenant, on va passer à l'outil. J'effectue un zoom à l'arrière pour avoir plus d'espace. On a vu précédemment comment manipuler les outils de navigation, dont l'outil zoom. OK? Voilà, j'utilise maintenant l'outil rectangle. Voilà, cet outil rectangle permet de dessiner tout simplement des rectangles. OK? Donc, pour le manipuler, il faut sélectionner
le premier angle, par exemple ici, et ensuite il faut sélectionner, se déplacer pour voilà, sélectionner l'angle opposé de votre rectangle. Voilà, et là vous avez créé votre rectangle. Vous pouvez également créer votre rectangle en entrant tout simplement les valeurs. Par exemple, je sélectionne ici, voilà le premier coin. Maintenant, je vais entrer les valeurs. Si je dessine un rectangle qui va faire 3 mètres, disons, sur 2 mètres, il faut taper, voilà, 3, vous mettez point virgule, ensuite 2, vous validez par la touche entrée. Et voilà, votre triangle est là, ok? Seulement que c'est petit. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise l'outil rectangle. On peut également créer ici, voilà, un autre rectangle adjacent. Voilà, on crée également ici, si on veut. Voilà, on vient là. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne cet outil. Et voilà, pour l'outil cercle également, vous sélectionnez l'outil, vous venez lire comment utiliser avec des didacticiels. Voilà, ça permet de dessiner de toute façon des entités cercles. Il faut toujours sélectionner, voilà, le point central et je me déplace pour définir le rayon. Ensuite, je clique pour que mon cercle soit matérialisé. Ok? De la même façon qu'un rectangle, dès que vous prenez le centre, vous pouvez entrer tout simplement la valeur là, à partir de votre clavier. Si vous voulez un cercle de rayon 10 mètres, vous tapez 10 par exemple et vous validez par la touche entrée. Okay? De la même façon, vous pouvez aussi venir sur l'extrémité du cercle, vous matérialisez également d'autres cercles comme je suis en train de le faire, voilà, des cercles adjacents, ok? Ensuite, il y a l'outil polygone qui fonctionne comme l'outil cercle, hein. Vous le prenez, vous définissez le centre, et voilà, ensuite vous inscrivez le rayon, ou bien vous cliquez tout simplement, après avoir déplacé pour le matérialiser. Voilà, je sélectionne, si je veux également que le rayon soit de 10 mètres, je tape 10. Voilà, comme précédemment. Donc, comme le cercle également, on peut créer des polygones juste posés comme on est en train de le faire. Ok? Voilà. Il y a aussi l'outil arc. Voilà, ça permet de dessiner également des arcs depuis le centre, hein, pour ce petit arc. Donc, je le sélectionne. Vous avez le didacticiel assis à côté qui vous explique également comment le manipuler si vous n'êtes pas encore habitué. Donc, le centre est là, j'ai sélectionné et maintenant, à présent, voilà, vous pouvez sélectionner le premier point de l'arc. Voilà, c'est là. J'ai déjà pris le centre, le premier point. Je le prends ici. Ensuite, je me déplace pour matérialiser l'arc. Ok? Comme on est en train de le faire, comme ça, vous voyez. Voilà, je peux par exemple venir matérialiser un arc ici, au niveau de ces rectangles que je vais créer. Je le prends ici, le centre. Voilà, je prends ici, ici comme point de l'arc. Ensuite, je me déplace, voilà, pour matérialiser ici l'arc. Et vous voyez que mon arc a été matérialisé. Ok? Et on va venir aussi vous expliquer l'arc par deux points. Donc l'arc par deux points permet de dessiner des arcs tout simplement en partant de deux points. Donc je peux venir ici, prendre ici le point de départ, ici le second point, ou taper une valeur si vous avez la distance. Ensuite, voilà, je me déplace ici pour matérialiser tout simplement l'arc. Ok, si je veux le faire ici, je définis ici le premier point, ici le deuxième point, et là je matérialise mon arc à ce niveau. Ok, donc là que vous avez compris comment l'utiliser. Ici vous avez l'arc à trois points, et l'arc à trois points permet de dessiner un arc à partir de trois points. Voilà, vous le sélectionnez, si vous avez des soucis pour le manipuler,
venez lire le didacticiel avant qu'il vende et SketchUp vous aura guidé pour le faire. Donc, il faut d'abord sélectionner le point de départ. Je sélectionne ici mon point de départ. Ensuite, sélectionner. Voilà. Je vais maintenant sélectionner le deuxième point. Je le prends par exemple ici. OK. Ensuite, je vais sélectionner l'extrémité de l'arc. Supposons que c'est ici. Voilà. Et vous avez votre arc dessiné à partir de trois points. OK. Donc ici, après, enfin, vous avez la portion de cercle. Voilà, et ça permet tout simplement de dessiner des portions de cercle avec cet outil nommé portion de cercle. Et vous aurez à la fin une surface fermée. Voilà, je prends toujours le point central. Ensuite, je vais me déplacer. Et ceci est le premier point de l'arc. Le second point doit toujours appartenir à l'arc. OK, supposons que je le prends ici. Et là, je matérialise mon arc qui sera également une surface fermée. Voilà, et là vous voyez. Voilà, nous venons de parcourir l'ensemble des outils de dessin dans SketchUp. Passons maintenant à la sélection dans SketchUp. Pour faire la sélection dans SketchUp, il existe différentes manières. D'abord, il y a l'outil sélectionné que vous voyez ici tout à fait en haut de votre écran jeu d'outils. Donc, vous avez ici l'outil sélectionné que vous pouvez utiliser pour faire vos sélections. Mais en sus de l'outil sélectionné, vous avez également les fenêtres de sélection de la gauche vers la droite, comme de la droite vers la gauche, que nous allons vous expliquer juste après. Vous avez également la sélection que l'on peut faire à travers des clics, une fois l'outil sélectionné activé. Par exemple, j'ai sélectionné cet outil, qui est l'outil sélectionné, donc je l'ai rendu actif. Supposons que je veux sélectionner tout simplement cette ligne pour le supprimer. Il suffit juste de cliquer sur la ligne une fois que l'outil sélectionné. Donc, je clique sur la ligne et vous voyez, c'est bleu, ça veut dire que l'outil a été sélectionné. Donc, si je clique sur le bouton Delete de mon clavier, donc ça permet de supprimer l'outil. Je clique sur Delete. Vous voyez, ça disparaît. De la même façon, si je veux sélectionner, par exemple, rien que le contour de ce cercle, pas la surface, mais rien que le contour, je clique sur la ligne également du contour. Vous voyez, donc, ça a sélectionné. Maintenant, si je veux sélectionner et le contour et la surface, il suffit de cliquer deux fois sur la ligne de contour. Je fais un double clic. Tac, tac, et vous voyez, ça a sélectionné aussi bien la ligne qui est bleue, mais également la surface. Donc, un delete permettrait de supprimer et la ligne et la surface. Vous comprenez? Voilà, vous voyez, tout est parti. OK? Supposons, je viens ici, voilà, sur ce petit rectangle. OK? Si je veux sélectionner tout simplement cette surface à l'intérieur, il suffit juste de sélectionner à l'intérieur. Vous voyez? Et la surface a été sélectionnée. Donc, un delete ne va pas supprimer le contour, mais juste la surface à l'intérieur. Donc, je clique sur Delete et vous voyez, ça a enlevé cette partie. OK? Donc, maintenant, venons-en à ces cercles superposés. Ici, on a une, deux, trois cercles qu'on a superposés. OK? Maintenant, je vais vous montrer d'abord pour sélectionner cette ligne-là au contour. Et cette surface, il faut faire un double clic, tout simplement. Une, deux, vous voyez, ça a sélectionné cette ligne jusqu'ici et cette surface. Mais supposons que je voudrais sélectionner l'ensemble des cercles superposés avec les lignes et les contours. Il suffit de faire un triple clic, peu importe sur les contours, sur ces différents contours,
Vous pouvez faire un triple clic n'importe où sur les contours, ça va sélectionner l'ensemble. Regardez, 1, 2, 3. Et là, vous voyez, tout a été sélectionné. D'accord. Maintenant, passons aux fenêtres de sélection. La fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, par exemple, permet de sélectionner tout élément qui rentre dans le cercle. OK? Par exemple, si je fais comme ça, vous voyez une fenêtre de sélection de gauche vers la droite. Regardez, si je me limite à là, vous voyez que le cercle, la fenêtre n'a rien sélectionné. Mais si je l'amène jusqu'à ce que ça couvre tout ce cercle, rassurez-vous que ça permettra de sélectionner l'ensemble des éléments de ce cercle. Regardez, j'ai fait une fenêtre de sélection de là à là. Donc, vous voyez qu'il y a le grand cercle qui est dans la fenêtre de sélection. Si j'enlève mon doigt sur le bouton gauche, vous voyez, ça a sélectionné toute cette partie qui rentre dans le rectangle de sélection. OK? Maintenant, s'il s'agit d'une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, tout ce qui touche, vous voyez ici, tout ce qui touche au pointier ou rentre dans la fenêtre sera sélectionné. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, vous voyez ce grand cercle-là, tout n'est pas à l'intérieur. Tout n'est pas à l'intérieur, je dis bien, de la fenêtre de sélection, mais rassurez-vous que ça sera sélectionné parce qu'il y a ces lignes de contour et une partie de sa surface qui touche ou rentre au moins dans la fenêtre de sélection. Donc, si j'enlève mon doigt sur le bouton gauche de ma souris, ça permettrait de sélectionner aussi bien les éléments qui rentrent dans la fenêtre, mais également les éléments qui touchent également la fenêtre de sélection. Vous voyez, et ça a tout sélectionné. J'espère que vous avez maintenant compris la fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, comme de la droite vers la gauche, le triple clic, le double clic, etc. OK? Un clic simple ici, par exemple, permettrait de sélectionner, voilà, ces lignes qui ont été dessinées avec la main levée. OK? Regardez ici, on avait des zigzags qu'on avait dessinés ici, mais ces zigzags ont été dessinés avec des lignes, séparément, donc c'est pas un polyligne, donc ces lignes ne sont pas liées. Donc un clic sur cette ligne permet de sélectionner uniquement la ligne, la même chose ici également, vous voyez. Mais si je voudrais sélectionner l'ensemble des lignes, il me suffit de faire une fenêtre de sélection, par exemple ici de la droite vers la gauche là, et je sélectionne l'ensemble. Un délai permet de supprimer. OK? Donc, vous voyez comment ça se passe pour la sélection. Ici aussi, pour supprimer cet arc à trois points, une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, tout en sachant que tout l'arc est dans la fenêtre de sélection, permet également de le sélectionner, comme vous le voyez actuellement. Un délai permet de le supprimer. Donc, j'en profite pour rendre un peu propre le dessin avant de passer à la partie suivante où on va voir, tout simplement les outils de modification. D'accord. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant comment effectuer la sélection dans votre logiciel SketchUp. On peut afficher la vue ISO, par exemple. Voilà, et on vient ici effectuer un zoom. Par exemple, si on voulait sélectionner ici tout le modèle, il suffit de cliquer trois fois de suite, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur un des côtés. Ici, par exemple, je dis 1, 2, 3, et vous voyez, ça a sélectionné tout le modèle. Si je voulais sélectionner tout simplement cette surface au-dessus, je le sélectionne et ça prend uniquement la surface. Si je veux encore ajouter, je vais ajouter par exemple ces côtés. Vous pouvez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et voilà, et cliquer sur la partie que vous voulez ajouter. Donc vous voyez. Donc ça aussi, c'est un autre type de sélection. OK? Si vous voulez sélectionner tout simplement le contour et la surface, vous faites un double clic. 1, 2,
Et voilà, ça fait voilà, cette surface et cette surface et ce contour. Donc, c'était tout pour la mode de sélection. Passons maintenant aux outils de modification dans SketchUp Pro 2021. Les outils de modification. Dans SketchUp, vous avez comme outil de modification l'outil déplacer, l'outil pousser-tirer, qui est très intéressant, que nous allons utiliser fréquemment dans la réalisation de nos modèles. Il y a l'outil faire pivoter, l'outil suivement, il y a l'outil échelle, il y a également l'outil décalage. OK? Donc, c'est ces six outils qui représentent les outils de modification dans SketchUp. Nous allons vous montrer un à un comment manipuler ces différents outils. Commençons d'abord par l'outil déplacer. Donc l'outil déplacer, déjà pour utiliser un outil, il faut le sélectionner. Donc si vous le sélectionnez, ça veut dire que l'outil est actif. À ce moment, vous pouvez utiliser l'outil. Par exemple, si on voulait déplacer, par exemple, ce modèle, ce dessin que vous voyez là, si on voulait le déplacer de ce point à un autre point, d'abord, il faut sélectionner tout le modèle. Il ne faut pas venir sélectionner tout simplement déplacer et venir faire des sélections pour le déplacer. Ici, toute sélection que je fais sur une extrémité permettrait de tout simplement déformer en fait l'objet, mais ne permettrait pas une sélection telle qu'on le veut. Par exemple, si je prends cette extrémité, je fais une sélection. Voilà, vous voyez, si je tire pour le déplacer, je vais plutôt modifier, mais déformer mon dessin, mais je ne déplace pas l'objet. OK? Donc, je fais un retour. Maintenant, pour sélectionner, pour le déplacer, il faut tout sélectionner. Pour le sélectionner, on a vu précédemment comment effectuer, voilà, manipuler la sélection dans votre logiciel. Pour sélectionner cet objet, vous pouvez faire une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Vous voyez, vous sélectionnez tout, vous faites ou bien une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, ou bien vous faites un clic trois fois de suite. OK? Une, deux, trois, et vous sélectionnez tout votre modèle. En ce moment, vous venez prendre l'outil déplacer, vous prenez une extrémité, peu importe. Voilà, je le prends ici, et là, vous pouvez maintenant effectuer un déplacement. OK? Voilà. Si vous voulez déplacer avec copie, c'est-à-dire déplacer l'objet en, voilà, en copiant, déplacer l'objet en tout en effectuant une copie, vous cliquez sur la touche CTRL. Vous voyez, ça va copier en même temps votre modèle. Ensuite, je le déplace. Par exemple, je le déplace ici. Donc, vous voyez comment on utilise cet outil déplacer pour déplacer nos objets ou nos modèles. OK? Voilà, ici aussi, par exemple, si je voudrais sélectionner tout simplement ce tube-là que vous voyez ici pour le déplacer, si je voulais le déplacer, il faut effectuer une sélection du tube. Par exemple, j'effectue une fenêtre de sélection, par exemple, voilà, de la droite, de la gauche vers la droite, qui prend tout simplement le type que je veux déplacer. Vous voyez, j'ai sélectionné uniquement cette partie. Et pour le déplacer, je vais sélectionner l'outil, voilà, déplacer. Je prends par exemple un point sur l'élément que je veux déplacer, je le prends ici, et là, vous pouvez le déplacer librement. OK, supposons que je le déplace de cette position à cette position, par exemple, là. OK, voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise l'outil déplacer. Maintenant, passons à l'outil pousser-tirer. L'outil pousser-tirer, c'est cet outil qui va nous permettre de donner tout simplement du volume à nos formes. Par exemple, j'affiche la vue de dessus. Précédemment, on avait réalisé plusieurs
plusieurs formes quand on étudiait les outils de dessin. Tout ça, c'est des formes, voilà, des surfaces. Maintenant, ces surfaces, pour les donner de volume, il faut utiliser l'outil pousser tirer. Et pour ce faire, il faut retourner à la vue ISO 3D. Et maintenant, vous venez sélectionner l'outil. Voilà, supposons que je veux donner du volume à ce triangle. Il faut sélectionner sur la surface et déplacer maintenant votre curseur soit du haut ou bien en bas. Ok, donc là, on donne voilà, du volume à nos surfaces. Voilà, on peut venir ici également, on sélectionne la surface et voilà, on donne également du volume à cette surface. Ok, pour ces cercles également, on peut donner du volume, il faut sélectionner, voilà, sélectionner la surface et l'extruder comme on est en train de le faire comme ça pour que ça donne du volume, voilà, à notre surface. Voilà, ok. Sur les polygones également, on peut faire la même chose. Ok, voilà, on l'extrude, on donne, voilà, du volume. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on utilise l'outil, voilà, pousser, tirer. Il faut juste sélectionner sur la surface qu'on veut extruder pour donner du volume. Donc, pour effectuer une rotation afin de voir les autres parties cachées, je viens utiliser l'outil Orbit. On avait expliqué comment le manipuler. Ok, voilà, et je prends l'outil pour saturer. Je donne du volume à ces parties. Ok, et quel autre élément me reste? Donc, j'ai donné du volume à des parties. Si vous voulez effectuer également un trou, par exemple, quelque part ici, je prends l'outil Cercle. Je viens ici, là où je veux créer le trou, je définis le rayon. Ensuite, je viens prendre l'outil pousser tirer pour percer ici au niveau de cette surface. Voilà, là, il faut voilà, déplacer vers le bas, ok, pour le creuser. Et voilà, vous voyez que la surface a été percée, ok. De la même chose, hein, si vous voulez percer également cette face, je viens prendre mon outil. Voilà, je fais ici un cercle et j'utilise l'outil pour se tirer pour le percer. Vous voyez. Et là, j'ai creusé. Voilà, j'ai creusé cette surface. Ok. Donc, c'est comme ça également qu'on manipule l'outil pousser tirer, c'est un outil très pratique. Ok, on va également passer à l'outil voilà faire pivoter. Par exemple, cet outil nous permet en fait de réaliser des rotations de nos objets, les réorienter. Par exemple, j'ai ici cet objet qui est couché pour le soulever pour que ça soit debout, vous pouvez utiliser cet outil pour faire pivoter. Voilà, je le prends par exemple. Là, je choisis l'entrée, le plan de rotation et le régime. Ok, et là, après, vous pouvez effectuer une rotation. Mais avant tout, il faut se rassurer que tout l'objet soit sélectionné. Voilà, en effectuant un triple clic, vous le sélectionnez. Et après, vous prenez tout simplement facilement vos plans de rotation ensuite pour les orienter. Voilà, vous voyez, actuellement je suis en train de pivoter au trou. Ok, vous pouvez aussi changer comment dire de plan. Voilà, ça c'est tout simplement une affaire de plan de rotation. Vous pouvez changer également de plan de rotation, voilà, pour le tourner. Ok. Vous pouvez même prendre vos plans de rotation ailleurs, une fois que c'est sélectionné, voilà, pour réorienter, par exemple, vos objets. Ok, comme on l'a
On est en train de le faire, vous voyez. Donc, c'est un outil qui permet de réorienter vos objets une fois que c'est dessiné. OK? Après, il y a l'outil suivant. Et cet outil est très important et permet de faire suivre une trajectoire, voilà, à la face sélectionnée. Par exemple, si je crée ici, par exemple, je vais créer ici une ligne, voilà, orientée comme ça, ensuite comme ça. Et là en bas, je vais matérialiser, par exemple, une surface polygonale. OK, je matérialise ici une surface polygonale. Maintenant, cet outil, suivez-moi, va permettre de reproduire cette surface tout au long de ces lignes que je viens de matérialiser. En quoi faisant? En le sélectionnant, il faut le sélectionner et venir sélectionner la surface qu'on veut. Vous voyez, ça va suivre tout simplement la ligne que vous avez matérialisée. Voilà. Et vous voyez donc comment cet outil, suivez-moi, est très pratique. OK? Ensuite, vous avez l'outil échelle. Voilà. Cet outil échelle permet de redimensionner et d'étirer des portions de géométrie par rapport à d'autres entités du modèle. OK? Par exemple, si je prends cet objet, je le sélectionne trois fois dessus pour sélectionner tout l'objet. Si je prends l'outil échelle, vous voyez des pointillés en bleu qui s'affichent. Selon la partie que vous allez sélectionner, vous allez soit déformer ou étirer l'objet ou bien augmenter sa taille tout en gardant tout en la mettant à l'échelle. OK, si je prends par exemple les points aux extrémités, si je tire, ça va déformer, c'est-à-dire augmenter la taille, mais ça ne va jamais déformer l'objet, vous voyez. OK, par contre, si je le prends sur les côtés ici par exemple, ça va déformer mon objet, vous voyez, ça va déformer ça. Donc, pour effectuer en fait un redimensionnement sans modifier l'objet, il faut prendre les extrémités. OK, comme là ici par exemple, ça va augmenter sa taille mais ne va jamais déformer votre objet. Donc c'est comme ça qu'on manipule l'outil échelle. OK, maintenant voyons voir l'outil décalé. L'outil décalé, par exemple, nous sera très utile quand on va dessiner, par exemple, les murs d'une maison. Affichons d'abord la vue de dessus, OK, et vérifier si projection parallèle a été sélectionnée, c'est fait, OK. Maintenant, supposons, on va matérialiser ici, disons, un terrain qui fait 10 mètres sur 15 mètres, OK, je mets 10, point virgule, voilà. 1,15, je vais taper 10,15, voilà, et ici on a un terrain de 150 mètres carrés. Si je veux par exemple matérialiser le mur de clôture avec une épaisseur de 15 cm, je prends l'outil décalé, je viens sélectionner sur la surface que je veux décaler, vous voyez, et je rentre la valeur de décalage, je mets par exemple 0,15 et je tape sur entrée. Et là vous voyez que voilà, les murs ont été décalés de 0,15. Maintenant, pour faire l'extrusion, il faut passer à la vue ISO en trois dimensions, et là vous venez sélectionner l'outil pousser tirer, vous cliquez sur la surface que vous voulez solder, c'est-à-dire pour les murs, je le sélectionne et voilà, je matérialise mon mur de clôture. Si le mur fait 3 mètres, je tape 3 sur mon clavier, je valide la touche entrée. Et là, vous voyez que vous avez utilisé l'outil décalé pour matérialiser vos murs de clôture. OK, là, j'ai fait un zoom arrière
pour revoir les autres objets de mon plan. OK? Donc, c'était tout pour les outils de modification. La partie suivante sera réservée aux outils de construction. Les outils de construction. Dans SketchUp, les outils de construction sont représentés par l'outil mètre qui permet de mesurer une distance, l'outil cotation qui permet de coter vos dessins, l'outil rapporteur qui permet de mesurer des angles. Voilà, vous avez texte qui permet de matérialiser un texte 2D et vous avez ici l'option texte 3D. Maintenant pour l'outil mètre, pour mesurer une distance, vous le sélectionnez. Par exemple, si je veux mesurer cette distance-là de ce cube, je viens prendre l'origine et le départ, et là vous voyez à côté que voilà, SketchUp vous doit donner la longueur qui est tout simplement de 66,05 mètres. Ok, vous lisez en bas à droite la valeur de la distance mesurée. Ok, si je veux par exemple mesurer cette hauteur là pour voir ce que ça donne, je le sélectionne de là à là, et là ça fait 34,36 mètres. Ok, il faut toujours lire la valeur, voilà, là bas en bas à droite. Ok, donc ça c'est pour l'outil mètre. Maintenant l'outil cotation, ça permet de coter. Si je voulais coter par exemple cette distance, voilà, je sélectionne d'abord. Bon, vous pouvez sélectionner en fait l'arête, et là automatiquement ça vous donne la distance. Ok, voilà, je sélectionne l'arête et ça me donne la valeur. Ok, vous voyez donc comment c'est rapide et efficace avec SketchUp de faire la cotation. Ok, maintenant il y a aussi l'outil rapporteur qui permet de mesurer des angles. Il faut les sélectionner. Par exemple, si je veux savoir cet angle là combien ça fait, je sais que ça fait 90 degrés, mais nous allons le vérifier. Par exemple, voilà, je pose ici l'origine, ensuite je prends cette arête, je viens ici, et là vous voyez en bas et ça fait 90 degrés. Ok, voilà. Quel autre angle par exemple voudrions-nous mesurer? On va voir ici par exemple cet angle. On va mesurer cet angle. Voilà, je prends ici l'extrémité, l'origine, je mesure de là, voilà, à là, et ça m'a fait 120 degrés. Ok, vous voyez, ça fait 120 degrés. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez mesurer les angles avec votre logiciel SketchUp Pro. Ok, si vous voulez aussi entrer des textes 3D, vous sélectionnez l'outil texte et vous venez sur la surface où vous voulez appliquer votre texte, vous sélectionnez et vous rentrez le texte. Par exemple, je mets cher bien, ensuite je clique à l'intérieur et vous voyez votre texte apparaît. C'est un texte 2D. Si vous voulez faire un texte 3D, vous venez prendre l'option texte 3D, vous le sélectionnez et là vous rentrez votre texte, mais toujours cher bien, et voilà, c'est un texte en 3D. Vous pouvez changer ici la police, hein, ou si je mets par exemple Prime New Roman, voilà, ici vous pouvez le mettre en gras par exemple. Ok, vous avez plusieurs autres options ici que vous voulez faire. Ok, donc changer la hauteur, etc. Ok, voilà, ensuite vous cliquez sur placer et venez sélectionner à l'endroit où vous voulez le placer. C'est là, par exemple, je le mets ici et vous voyez votre texte apparaît. Ok, et là vous pouvez même utiliser l'outil échelle
pour augmenter sa taille, vous voyez, sans le déformer. Voilà, il faut tirer tout simplement sur les extrémités comme on l'a expliqué précédemment. Voilà, ok, donc c'est comme ça que ça se passe pour les outils de construction. Maintenant, pour la suite, nous allons voir trois cas pratiques, c'est-à-dire des exercices de synthèse que nous allons faire ensemble pour vous permettre de maîtriser ces outils. Le premier exercice de synthèse va concerner également la modélisation d'une chaise. Voilà, le second exercice de synthèse va concerner la modélisation d'un meuble d'entrée. Et le troisième sera consacré à la modélisation d'une piscine. Et tout ça, nous allons le réaliser ensemble. Vous allez voir comment ça va se faire en utilisant tout simplement les outils que l'on vient de voir précédemment. Pour ce premier cas pratique, nous allons voir la modélisation d'une chaise avec les outils que l'on a vus précédemment. Alors, avant tout, il faut afficher la vue de dessus et ensuite regarder dans la caméra si projection parallèle est active. Voilà, si c'est pas fait, vous l'activez, projection parallèle. Ok? Voilà. Maintenant, vous pouvez commencer à modéliser, par exemple, les pieds de votre chaise. Mais avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Donc, cliquez ici et regardez dans Info sur le modèle. Donc, vous prenez Info sur le modèle et là, vous pouvez modifier vos unités. Par exemple, par défaut, voilà le modèle simple avec les unités en mètres. Maintenant, je peux changer l'unité ici et mettre par exemple centimètre. Ok, ensuite je ferme cette fenêtre. Donc, présentement, mes unités sont en centimètre. Donc, je vais dessiner les pieds de ma chaise et là, je prends par exemple l'outil rectangle, ok, et là je spécifie le premier angle et pour le second je vais tout simplement rentrer voilà les valeurs ou la dimension du carré que je vais matérialiser qui va représenter le pied de la chaise. Supposons que ça sera disons 2 cm sur 2 cm, je tape 2, ensuite je mets 1,2 et j'avalide par la touche entrée. Voilà, vous voyez, ça apparaît comme ça. Maintenant, pour matérialiser les autres, je vais tout simplement effectuer une fenêtre de sélection, voilà, de la gauche vers la droite pour tout prendre. Ensuite, je clique sur l'outil déplacer. Je viens sélectionner un des extrémités sur l'objet que je veux déplacer. Je clique, ensuite j'appuie sur la touche CTRL pour effectuer une copie de l'élément. Vous voyez, et là je le déplace par exemple de 0,40 et bien tout simplement de 40, disons, centimètres. Je suis en centimètres. Je déplace de 40 centimètres. Ok. Et là, vous le voyez, celle-là. Ensuite, je vais copier cet objet en utilisant l'outil déplacer. Voilà, je sélectionne cette extrémité, j'appuie sur la touche CTRL pour le copier et là, je mets 45 cm. Voilà, vous voyez. Ensuite, je viens faire le même travail avec cet objet que je sélectionne. Je clique sur sélectionner. Je prends cette extrémité. Voilà, j'appuie sur la touche CTRL. Voilà,
Et là, je mets également 45. Et voilà, ça veut dire que les bases de mes quatre pieds pour la chaise ont été matérialisées. Donc, je vais afficher maintenant la vue ISO pour passer à l'extrusion. OK? Maintenant, je prends l'outil qui s'est tiré. Je viens sur la surface que je vais extruder. Je sélectionne et je tire vers le haut. OK? Et là, je vais mettre 40 cm. Voilà pour la hauteur. Ici aussi, je mets 40 cm. Là également, je mets 40 cm. Je viens ici, je mets également 40 cm. Et voilà, les pieds de la chaise sont debout. OK? Maintenant, qu'est-ce qui me reste à matérialiser? J'ai matérialisé l'assise. OK? J'ai effectué, disons ici, une rotation. Je vais visualiser. OK? Et là, je vais venir prendre le petit rectangle. Je le prends de là à là. OK? Et vous voyez que l'assise commence à prendre forme. Maintenant, je donne également un peu de volume à cette assise. Voilà, je vais prendre cet outil toujours pour s'étirer. Et je l'extrude, disons, de 1 cm. D'un centimètre, je vais taper, disons, 1. Eh bien, je tape tout simplement à la 0,5 cm. Et je valide par la touche entrée. Et voilà, vous voyez, l'assise a pris forme. OK? Maintenant, je vais, voilà, amener ça au même niveau. Et là également. Là également. Pour la monnaie. Voilà, au même niveau. Voilà. Maintenant, je vais matérialiser ici. Voilà, un autre rectangle pour que ça ne soit pas continu. Ok. Je vais faire ici un retour. Voilà. Le rectangle sera de là à là. Et voilà. Il y a un problème ici. Voilà. Donc, j'ai utilisé l'outil pour s'étirer, ça doit arriver à la même niveau. Et là, je peux utiliser l'outil rectangle. Voilà. Maintenant, derrière, je vais aussi utiliser l'outil pour s'étirer et mettre ici à, disons, 45 également centimètres. Voilà, et là aussi, je mets à 45 cm. Et voilà, vous voyez que la forme commence à apparaître petit à petit. Donc, voilà. Je prends également l'outil rectangle et je viens là. Matérialiser ici. Un rectangle. Voilà. Et là, je vais utiliser l'outil pour s'étirer pour donner un peu de volume, 0,5 cm. Voilà. Et là, j'utilise l'outil orbite pour tourner autour de mon modèle. Voilà. Et l'outil pour s'étirer pour
tirer cette surface jusqu'ici. Ok. Je l'oriente de l'autre côté et je fais le même process. Et voilà, c'est tiré. J'espère que vous comprenez la démarche que je suis en train de suivre. Donc vous voyez que votre chaise a déjà pris forme. Ok. Maintenant, pour ces traits, on peut utiliser la gomme. Voilà, pour les enlever. Voilà. Ok. Et voilà, on utilise la gomme pour enlever ces traits. Voilà, on peut ajouter des révisseurs en bas. Il faut juste prendre le petit rectangle et venir, par exemple, à ce niveau. Voilà, créer ici, hein, matérialiser ici. Un rectangle. Voilà, ensuite utiliser l'outil pour s'étirer. Voilà, pour retirer jusqu'ici. Ok? On peut faire la même chose de l'autre côté, là-bas derrière. Et voilà. Et là, j'utilise aussi l'outil rectangle, je viens à ce niveau. Et je matérialise ici le rectangle et j'utilise l'outil pour s'étirer. Voilà. Et je le tire jusqu'à ce niveau. Et voilà. Notre chaise a pris forme. Donc vous voyez bien. On est arrivé avec ces outils que l'on a vu précédemment à matérialiser une chaise. Okay? Donc, vous pouvez aussi changer le matériau pour colorier la chaise en utilisant aussi cet outil colorier. Okay? Il suffit par exemple de sélectionner cet outil. Ensuite, vous avez ici voilà, une large gamme de matériaux ou de coloriage que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour le bois, je peux sélectionner le bois et sélectionner parmi les modèles de bois ici disponibles. Voilà, voilà le type de bois qu'aura ma chaise. Par exemple, si je prends ce modèle, je prends, il suffit de le sélectionner et venir appliquer sur les surfaces ou bien faire une fenêtre de sélection. Vous pouvez appliquer sur les surfaces, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez déjà ce que ça donne. Si vous voulez changer, vous sélectionnez, voilà, un autre type de bois, et là, vous venez appliquer sur les surfaces que vous voulez, voilà, changer la couleur ou bien le matériau. Donc, c'est très simple. Il suffit de venir sélectionner sur voilà le type de bois ou la peinture que vous voulez prendre et appliquer sur les surfaces, tout simplement. Voilà, donc dans le second exercice de synthèse qui va suivre, nous allons modéliser ensemble un meuble d'entrée. Pour le second exercice de synthèse, nous avons téléchargé ici, voilà un meuble d'entrée que l'on a trouvé dans le net. Et c'est ce même meuble que nous allons essayer de reproduire avec les outils que l'on a appris précédemment. Ok? Supposons que la hauteur totale sera de 2 mètres et ici, la largeur sera de 35 cm. Et cette longueur, disons, sera ici de 25 et pour cette partie blanche de 80 cm. Voilà, et cette partie, ces tiroirs sont implémentés au milieu. Et ici, vous avez un miroir et là, vous avez un placard. Nous allons essayer de le reproduire en utilisant ces outils. Donc,
à l'issue. J'espère que vous aurez une bonne prise en main après avoir terminé tous ces exercices de synthèse. Alors, passons à l'essentiel. D'abord, comme tout à l'heure, il faut afficher la vue de dessus. D'accord? Et là, je viens ici, de ce côté, je vais matérialiser d'abord un premier rectangle dont les dimensions seront tout simplement de 2 cm, hein, de 2 cm sur 80 cm. Voilà. Ensuite, ici à côté, je vais matérialiser, voilà, un autre rectangle qui aura tout simplement comme taille 25 cm, voilà, sur 2 cm. Et vous le voyez. OK? Maintenant, là, je vais matérialiser ce côté qui va faire également 35 cm sur 2 cm. Voilà. Et on fait la même chose également. Voilà, de ce côté, on aura également 35 cm sur 2 cm. Voilà. Et au milieu, on le matérialise également. Et au milieu également, on a la même chose. On met 2 cm sur, voilà, 35 cm. Voilà. Donc, on a matérialisé en quelque sorte la vue en plan. Maintenant, je vais utiliser l'outil gomme pour enlever ces lignes pour que ça soit continu. Ça va faciliter l'extrusion. Voilà. Donc, pour ce côté, puisque la couleur ne sera pas la même, ce côté sera en noir. C'est ce que voilà, vous voyez ici, c'est cette partie. Maintenant, cette partie en blanc, c'est ce que vous voyez, voilà, de ce côté. OK? À présent, on peut afficher maintenant la vue ISO. Voilà, utiliser l'outil Orbit pour tourner autour du modèle. Et là, je vais afficher la surface. Maintenant, il faut prendre l'outil pousser tirer pour donner du volume. Voilà, afin que la hauteur soit extrudée. Maintenant, avant tout, je vois ici une ligne que je peux enlever en utilisant l'outil gomme pour que ça soit continu. OK? Maintenant, je prends l'outil pour s'étirer. Je viens sur cette surface. Vous voyez que ça surbrille un peu partout. Ça veut dire que cette surface est continue. Voilà. Et je vais l'extruder de 2 mètres. Disons 2 mètres, ça sera 200 cm. Moi, j'ai mis ici 2 cm. Donc, venez dans édition si vous vous êtes trompé et sélectionnez annuler pour s'étirer. Ça revient à la position initiale. Voilà, je prends et je mets 200. Voilà, 200 cm, c'est ça qui représente 2 mètres. Et de ce côté également, je le prends, je mets 200. Vous voyez que voilà, là, on commence à avoir la forme petit à petit. OK? Si la chaise dérange, vous pouvez le sélectionner, puis voilà, la déplacer. D'accord? Je vais afficher la vue de dessus. OK? J'ai fait une fenêtre de sélection comme ça. Voilà. Puis je le déplace de l'autre côté pour que ça ne me dérange pas. Puis je retourne en vue ISO. OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? Là, je vais
matérialiser un rectangle ici sur la base. Donc de là à là, je matérialise un rectangle. À présent, on peut également matérialiser, voilà, un autre rectangle de là à là. Et vous voyez que ça s'est complètement fermé sur la devanture. Ok, maintenant je peux utiliser, voilà, l'outil mètre pour matérialiser une ligne guide. Une ligne guide, voilà, à 0, disons, à 0,85 ou à 85 cm. Et voilà, j'ai fait la même chose ici également. Je matérialise une ligne guide à 85 cm. Et là, j'utilise l'outil rectangle pour matérialiser ici un rectangle. Et voilà, je vais dans édition, supprime ces lignes guide. Ok. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la gomme pour enlever cette ligne. Voilà. Je vais vérifier. Voilà, je vois que cette surface est continuée. Ok. On peut venir le réorienter. Voilà, venir matérialiser ici une ligne. On peut matérialiser ici une ligne. Voilà. Et là, on peut utiliser l'outil pour s'étirer pour l'extraire à ce niveau. Voilà. Et là, je matérialise ici le ligne pour montrer que c'est séparé. Et on avait ici aussi un placard. Utilise l'outil rectangle pour le matérialiser aussi à ce niveau. Voilà. On va utiliser 2 cm sur 25. Voilà. Et là, j'utilise l'outil pour s'étirer pour le souder un peu. Et voilà. J'utilise l'orbite pour fermer ce côté. Voilà. C'est très facile à manipuler si vous arrivez à maîtriser les outils. Maintenant, je vais afficher à nouveau mon modèle pour voir, voilà, ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, je vais matérialiser les portes. Voilà, les portes des tiroirs et des bâtons. Il y a d'abord le miroir. Voilà, la projection parallèle. Voilà, c'est bien actif. Et ici, j'ai comme impression que ce commode, voilà, n'est pas, que ces lignes ne sont pas droites. Donc, vous pouvez le sélectionner. Voilà, et le supprimer. Ensuite, on va le redessiner. Voilà, ça donne l'impression que c'est incliné. Voilà, je sélectionne les lignes.
Je les supprime. OK. Maintenant là, je vais prendre à nouveau. Je vais prendre à nouveau l'outil rectangle. Ou bien je viens tout simplement à partir de là. Voilà, matérialiser le rectangle à ce niveau. Comme ça, je serai sûr que ça ne sera pas incliné. Et voilà. Voilà, là j'utilise l'outil pour s'étirer. Voilà, pour extraire cette partie. Et voilà, cette fois-ci, c'est bien aligné. On utilise le crayon, voilà, pour former ce poteau. J'utilise également la gomme, voilà, pour enlever, voilà, ce trait qui n'est pas continu. Voilà, j'enlève les traits de plus. OK. Voilà, on peut venir par exemple utiliser l'outil décaler. Tu vas décaler cette surface de 2 cm. Hein, je mets 2 cm. Et là, je vais juste venir prolonger ce trait. Ensuite, j'utilise l'outil gomme pour enlever. Voilà, c'est ce pouce. OK. Là également, on fait la même chose et on vient utiliser l'outil gomme pour enlever toujours le surplus. D'accord. On peut faire la même chose de ce côté. Voilà, je décale de 2 cm et je fais la même chose que précédemment. Voilà, ici c'est correct. Je viens ici. Je fais la même chose, 2 cm. Voilà, et là, 2 cm également. Et après, on peut faire les réajustements qu'il faut. Donc, je prolonge ici, et là également. Et j'utilise l'outil gomme pour enlever le surplus de traits. OK. Voilà, là également, je le prolonge et j'utilise l'outil gomme. Voilà, pour trait de plus peut-être enlever. Ici, pratiquement, c'est la même chose. Voilà. Je sélectionne cette ligne que je supprime et je prends la gomme pour enlever ces traits. Là, c'est bon. Je viens de ce côté. Je prolonge.
Voilà, et là c'est bon. Je sélectionne cette ligne que je vais supprimer. Ensuite, je prends la gomme et j'enlève. Voilà, le surplus. Voilà, j'espère que c'est bon et que vous avez compris. Là également, je prends l'outil décalé. Je décale ici cette surface également de 2 cm. Voilà. Et cette partie n'aura pas la même couleur que les autres parties. Pour le miroir également, là je vais décaler également de 1 cm. Et voilà. Et le miroir sera ici à l'intérieur. Ok? Donc, qu'est-ce qui me reste à matérialiser avant de mettre la couleur? Donc, je vais matérialiser les poignées. Ok? Pour ouvrir les portes ou les bâtons. Ok? Donc, pour les poignées, je vais prendre, disons, l'outil rectangle également. Je cherche ici le milieu et je matérialise ici un petit rectangle. Je vais matérialiser ici un petit rectangle qui va faire, disons, 1 cm sur 1 cm. Et voilà. Et je le sélectionne et j'en fais une copie. Mais avant tout, je peux l'extruder d'abord. Je l'extrude, disons, de 1,5 cm. Voilà, je mets 1,5 cm. Ok? Et là, j'en fais une copie. Voilà. Et là, je le déplace avec copie. Je le déplace avec copie. Disons, de 4 cm. Voilà. Maintenant, je change l'orientation, ou bien je viens tout simplement à ce niveau. Je vais matérialiser. Voilà, un rectangle à ce niveau. Et là, j'utilise l'outil pour s'étirer, pour extruder cette surface. Jusqu'à ce niveau. Et j'utilise la gomme pour enlever les traits supplémentaires. Ok? Voilà. Voilà, et là, ce poignet a été réalisé. Maintenant, je vais le copier en faisant une feuille de sélection. Je le prends et je fais déplacer. Je vais le prendre de là. Je sélectionne et j'appuie sur la touche CTRL et je l'amène à ce niveau. Voilà, je fais la même chose. Voilà, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner également ce poignet. Donc les deux sont sélectionnés en même temps. Je prends déplacer. Et le déplacer, je le prends par rapport à là. Je sélectionne, je clique sur la touche CTRL et je viens à partir de là. Je sélectionne pour les positionner. Vous voyez que ces poignées ont été également positionnées en bas. D'accord? Et de la même façon, on peut matérialiser
également des poignées ici à ce niveau. Donc j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Je matérialise ici à partir du milieu. Je matérialise un petit carré de taille 1 cm sur 1 cm. Et voilà, une fois matérialisé, je l'extrude de 1,5 cm. Voilà, à partir de 1,5 cm, je fais une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite pour le pan. Puis, j'utilise l'outil déplacer. Je sélectionne une extrémité. Je clique. J'appuie sur la touche CTRL pour le déplacer avec copie, disons, de 4 cm. Voilà. Ensuite, je prends ce rectangle, je dessine. Voilà un autre rectangle à ce niveau. Donc, je vais réorienter pour mieux voir. Voilà, là j'utilise l'outil extruder pour l'amener jusqu'ici. Et là j'utilise la gomme pour enlever les traits de plus. Voilà. Donc vous voyez comment ça se passe. Et là on peut le sélectionner en utilisant la fenêtre de sélection comme ça. Voilà, on le déplace pour mieux le centrer. Voilà, à ce niveau. Puis, je clique sur la touche CTRL pour le copier. Et voilà, je l'amène à ce niveau. Et celui-là également, je le copie. Je l'amener à ce niveau. Et vous voyez, en affichant le modèle, que ça prend un peu fort. Même ici, il a été simplement mis un poignet. Donc, on peut supprimer l'un et amener celui-là au milieu. Voilà, on l'amène au milieu. Et je sélectionne ce poignet que je supprime. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à, voilà, changer la couleur. Donc, et pour la couleur, on avait dit qu'il faut utiliser tout simplement l'outil colorier. Donc là, le reste est colorié en blanc. Je vais sélectionner tout le modèle. Dans un premier temps, je sélectionne tout le modèle. Je viens dans couleur. Je vais mettre... Voilà, du blanc. OK. Partout, on met du blanc. OK. Voilà, donc c'est blanc partout. C'est déjà blanc. Voilà, donc ici, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, pour le centre, ici, je vais voir le type de bois. Ici, je vois que c'est différents types de bois qui existent. Dans ce modèle Chirchop Pro 2021, je n'ai que ce modèle de bois, donc c'est un peu différent de la couleur de bois que j'ai ici. Ok, soit on fait avec les couleurs que nous avons, juste vous comprenez maintenant comment faire pour le modéliser. On prend tout simplement ce type de bois par exemple, juste pour pouvoir représenter le modèle. OK, voilà, c'est ce type de bois qui va remplacer l'autre couleur que l'on n'a pas. Et voilà, maintenant pour le miroir, nous allons voir dans le miroir. Je vois ici vert et miroir. Donc, on voit ce qui est disponible ici, on va utiliser. Donc, prenons ce modèle, on le sélectionne et on vient appliquer sur la
surface. Vous voyez ce que ça donne. Prenons un autre modèle, par exemple ça. Voilà, et ça, ça donne ceci. Voilà, donc ça, c'est le modèle de miroir qui existe ici. Ok, on prend, voilà, ce type de miroir. Donc, l'essentiel, c'était d'avoir la forme et on est arrivé à l'avoir. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose pour reproduire aussi le meuble tout simplement d'entrée. Voilà, la prochaine étape sera consacrée à la modélisation du cycle. Pour modéliser la piscine, nous allons d'abord afficher la vue de dessus, comme d'habitude. Ensuite, venir dans la caméra et activer la projection parallèle. Voilà. Maintenant, nous allons modéliser le terrain qui doit habiter notre piscine. Et supposons que c'est un terrain qui fait 12 mètres sur 10 mètres. Je prends l'outil rectangle et je matérialise un rectangle qui aura une dimension de 12 mètres sur, voilà, 10 mètres. Ok? Voilà. Donc, je peux entrer directement les dimensions. Donc, je vais mettre 10 mètres, point virgule, 12 mètres. Voilà, et là, j'ai ici, voilà, mon terrain. Maintenant, pour délimiter la piscine à l'intérieur de ce terrain et lui donner la forme que nous voulons, je vais utiliser l'outil mètre pour tracer des lignes guides. Donc, je le sélectionne. Je viens, par exemple, sur ce côté. Je me positionne au milieu. Je clique, puis je me déplace pour matérialiser une ligne guide. Et cette ligne guide, c'est ce que vous êtes en train de voir entrer discontinue. Donc, je mets la ligne guide à 2 mètres. Voilà. Ensuite, je prends cette même ligne guide, je la sélectionne pour créer une autre ligne guide. Voilà, je la sélectionne et je le déplace de 5 mètres. Ok, et je viens de ce côté également, je me positionne au milieu, je sélectionne et je me déplace également de 4 mètres ici pour avoir une ligne guide. Ensuite, je prends cette même ligne guide, je la sélectionne, puis je me déplace également de 4 mètres ici. Voilà, pour avoir une autre ligne guide. Ok, donc à présent, je peux prendre l'outil rectangle et matérialiser un rectangle également à ce niveau. Voilà, et là, à l'intérieur, j'aurai là ici. Maintenant, je vais aussi prendre l'outil cercle pour donner également, pour faire ressortir d'autres formes. Voilà, si on va créer un cercle à ce niveau. Et voilà, on peut également prendre, si vous voulez, l'outil arc à deux points et on essaie aussi de matérialiser, disons, un arc à ce niveau. Voilà, c'est juste pour vous permettre aussi d'utiliser en même temps ces outils qu'on a vus précédemment et en même temps créer des formes là ici. Voilà, ok. Maintenant, de ce côté, je vais matérialiser. D'abord, je crée, je décale ici cette ligne, je crée une ligne guide à
0,15 mètres. Voilà, ce sera pour mettre 1 minute. Et de la même chose ici aussi, je mets à 0,15 mètres. Voilà. Et là, je vais utiliser le petit rectangle. Et ici, un rectangle. Et là, également. Voilà. Je vais aussi matérialiser à ce niveau. Je vais matérialiser à ce niveau des marches. Voilà. Ils vont faire, disons, même 0,50. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner ce rectangle que je viens de créer pour le multiplier. Voilà, je le prends l'outil déplacé, je sélectionne au niveau de cette extrémité, j'appuie sur la touche contrôle. Je vois que ça amène ici le cercle. Donc, je peux tout simplement venir me servir d'une fenêtre de sélection, voilà, de la gauche vers la droite pour prendre tout simplement ce rectangle. Okay? Et j'utilise l'outil déplacer pour le dupliquer autant de fois que je veux. Je sélectionne, j'appuie sur la touche contrôle. Voilà. Je vois que toujours il y a cette partie en bleu que ça prend. Donc je laisse tomber. Ok. Je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais encore créer. Voilà un autre rectangle ici qui aura la même dimension. Voilà, ça sera 1,85 sur 0,5. Je tape 1,85 point virgule 0,5. Et voilà. Je répète encore la même opération. 1,85 point virgule 0,5. Voilà. Je le mets encore. 1,85 point 0,5. 1, 2, 3, 4, je mets encore, j'aurai 1,85 point 0,5. Et 1, 2, 3, 4, 5, je vais jamais le dernier. Voilà, 1,85 point 0,5. Et voilà, on aura des marches à ce niveau. D'accord? Voilà. Maintenant, nous pouvons venir de ce côté matérialiser aussi un rectangle à ce niveau où on va aménager tout simplement un espace vert. Voilà, on le fait comme ça. Et on suppose que sera contenu par exemple jusqu'à ce niveau. Et là, on peut prendre l'outil gomme, enlever cette ligne pour que ça soit continu. Et je prends l'outil décalé, je décale à l'intérieur, disons de 0,1. Voilà. Maintenant, je peux prendre, si vous voulez, l'outil gomme pour ajuster, par exemple, ces traits. Doivent être supprimés.
Voilà, je les enlève. J'enlève tout ce plus. Voilà, donc vous voyez la forme de la piscine est apparue. Ok? La forme de la piscine est apparue. Et je peux venir de ce côté. Je vais matérialiser aussi. Je vais matérialiser un trait. Ici. Voilà. Et là donc, vous voyez les différentes surfaces qui apparaissent. Donc, je vais décaler ici à l'intérieur. Décaler ici voilà, à l'intérieur de 20 cm, de 0,20. Voilà, et là vous voyez la forme de la piscine qui apparaît. Maintenant nous pouvons aller dans édition et supprimer les lignes guides. Voilà, on clique sur supprimer les lignes guides. Vous voyez, l'ensemble des lignes qui ont maintenant disparu. Ok? Donc, je vais venir dans l'outil gomme et enlever ces séparations pour que cette surface soit continue. Donc, vous voyez. Ok? À présent, je peux maintenant afficher la vue isométrique. Comme ça. Ok? Ensuite, je peux commencer à extruder pour creuser en fait la piscine. D'accord, on peut commencer à le faire. Mais avant tout, je vais régler un petit détail à ce niveau. J'affiche la vue en plan. Et là, je vais créer ici. Bien, je le laisse comme ça. Je voulais créer ici un rectangle. Voilà, on peut le faire pour mettre toujours une verdure. Voilà, c'est bon. Comme ça. Maintenant, on retourne en vue isométrique. À présent, je peux aussi créer des escaliers à ce niveau. On peut matérialiser ici des traits. Voilà, pour mettre des escaliers. On crée une ligne guide ici 0,35. Je crée encore une ligne guide à 0,35. Voilà, j'utilise l'outil ligne. Je crée ici des lignes qui vont matérialiser, qui vont servir d'escalier. Voilà. Et là, je vais dans édition, et puis je mets delete guide. Vous voyez, donc l'objectif, ou bien la démarche, c'est d'abord de matérialiser sur la vue en plan l'ensemble des formes dont vous aurez besoin, ensuite passer à l'extrusion. Ok, maintenant j'affiche la vue ISO. Voilà, je prends l'outil pour s'étirer. Et là, je vais creuser ici à l'intérieur de cette surface. Voilà, cette surface. Je prends l'outil pour s'étirer et je le creuse. Voilà, mettons par exemple 1 mètre ou tout ce que vous voulez. Voilà, je mets 1 mètre.
Vous voyez ce que ça donne. Et là aussi, je vais l'extirper, créer un trou ici. Je mets un net. Et voilà. Ce que ça fait. On va prendre l'outil vue et on va supprimer cette surface. L'outil sélectionné, on enlève voilà cette surface. Ok. Et voilà. Donc, vous voyez. Maintenant, nous allons dans l'outil pour s'étirer pour matérialiser ici. Je vais la lame d'abord jusqu'au fond. Ensuite, j'ai le sud de 20 cm de hauteur, 0,20. Je fais la même chose ici. Voilà. La même chose ici également. Et voilà, donc le reste, je pense que c'est bon. Je vais mesurer cette hauteur et ça fait 0,20. Donc c'est bon. Alors je peux supprimer cette ligne. Et voilà. Ce que ça fait. D'accord. Maintenant, ici, pour cette surface, nous allons le creuser un peu. Voilà, disons de 0,05, 0,05. Et voilà. On fait la même chose. Peut-être à ce niveau, bien, on laisse comme ça. Et là, on vient ici créer ces marches pour effectuer ici une rotation. Les voir. Donc, dans l'outil pour s'étirer, voilà, il faut le pousser jusqu'au fond. Ensuite, le prendre pour l'extorber de 0,20 cm comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est la même démarche qui continue. Donc on le fait très doucement pour vous permettre en fait de comprendre et de pouvoir être autonome. Parce que ce tuto est spécifiquement dédié aux débutants. Voilà. Ok, ça c'est les marches pour rentrer dans la piscine. Voilà. Donc, vous voyez déjà, vous avez sorti la forme de la piscine. Donc, je vais réafficher la vue ici de dessus et je vais décaler cette surface. Voilà. De 0,1. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette ligne que je prolonge, puis cette ligne que je prolonge. Ensuite, je supprime ce trait. C'est pour n'avoir qu'un seul mur séparateur, mur séparateur à ce niveau entre les verdures. Ok? Je retourne en vue ISO. Voilà. Je prends l'outil pour s'étirer. Voilà. Je le creuse ici de 0,05. Et voilà ce que ça fait. Maintenant, je prends ce mur
Je prends en fait voilà, cette partie, ce rectangle, je vais l'extruder, disons de 1 mètre, pour créer un petit mêlée ici, voilà, derrière. Voilà, 1 mètre, c'est bon. Voilà déjà ce que ça fait. Maintenant, je prends l'outil aussi gomme, c'est très pratique. Hein? Voilà, pour enlever, c'est prêt. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, car ça me fait du bien. Vous pouvez également de mettre dans les commentaires voilà l'exercice de synthèse qui vous a beaucoup plus aimé. Si vous avez des suggestions aussi, voilà, nous sommes preneurs. Voilà, bien juste c'est prêt. Je réoriente. Dans l'outil gomme. Voilà. Hop. Je fais un retour. Voilà, il faut aller dans l'édition, faire annuler, passer. Voilà. Je ne dois pas enlever ce texte. Voilà. Ici aussi, idem. Voilà. Et c'est bon. Ça reste ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'appliquer les matériaux et modéliser l'eau, voilà, à l'intérieur de notre piscine. Donc, pour appliquer les matériaux, il faut venir ici dans matière, ok, et là il faut aller dans matière, voilà, vous mettez, vous prenez sélectionné et là vous défilez sur ce petit triangle, vous prenez par exemple la matière que vous voulez, par exemple je commence par aménagement paysager et clôture, voilà, ici je vais prendre par exemple pour la verdure, je prends ce matériau gazon vert foncé, je le sélectionne, puis je viens appliquer, cliquer sur la surface que je veux appliquer cette matière, vous voyez. Donc cela est là. On peut aussi voir ce que l'autre type de gazon donne, vert clair, pour comparer. Voilà ce qui vous plaît le plus et vous l'appliquez. Ok. Voilà. Donc vous pouvez faire si vous voulez avec le premier modèle que j'avais sélectionné. Voilà. Il va bien. Ok. Ensuite, on va prendre notre type de matériau qu'on va appliquer à la pavé de dallage en pierre. Ça, on peut l'appliquer à ce niveau, par exemple. Voilà. Et là aussi, au niveau de ces l'escalier. Voilà. Et également, au niveau de cette surface, on va appliquer, voilà, du bois. Après, je vais changer, voilà, pour cette couleur. OK. Maintenant, pour le mur de clôture, je vais essayer de voir quelque chose de gris. Je prends ça par exemple. J'applique pour voir ce que ça donne. Voilà. On peut rentrer dans ces propriétés.
pour augmenter l'apparence, bien la couleur. Et voilà, rendre un peu plus clair. Et avec l'échelle aussi, vous pouvez soit augmenter la taille pour que ça soit mieux, ou bien le diminuer. Ok, pour que les dessins sortent mieux. Et voilà, donc je laisse ça à 45. Ok. Voilà. Je viens également de ce côté. C'est la même chose. Si on a aussi autre chose qui ressort mieux, on peut l'appliquer. D'accord. Ici, on a par exemple un bloc de béton, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait avec les blocs de béton. Je pense que ça embellit mieux. Voilà, et avec les blocs de béton aussi, vous pouvez entrer dans édition et améliorer ces propriétés si vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus foncé, vous jouez ici. Voilà, et là, c'est bon. Okay. Voilà, donc là-bas, on a appliqué le bloc de béton. Maintenant, on va aller prendre par exemple un carrelage, et on applique des carreaux de type faïence à l'intérieur de la piscine. Voilà, sur les rebords. Voilà. Et au fond. Voilà. Je peux utiliser le petit pivoté. Voilà. Pour tourner mon modèle. Et là, on applique. Voilà. Partout. Donc c'est comme ça qu'on applique aussi les matières. Donc vous apprenez également en même temps comment appliquer aussi les matières dans vos modèles. Et voilà. Donc vous voyez. Ok, je vais maintenant chercher du bois, un matériau bois. Et voilà. Et j'applique ici sur cette surface. Voilà, du bois, je peux aller dans l'édition. Voilà, je vais rendre beaucoup plus foncé. Et voilà, édition, ici, ça permet d'éditer en fait le matériau appliqué. Si vous voulez que ça soit beaucoup plus foncé, je vais ici. Et voilà, et là, je pense que ça sort mieux. Voilà. Ici sur les rebords, on peut appliquer un autre type de matériau. Par exemple, on va essayer d'appliquer un matériau de type béton. Voilà, sur les rebords. Voilà, ça donne ceci. Et là également. Ici, pareillement. Et voilà, donc qu'est-ce qui reste? Il me reste juste à appliquer maintenant l'eau à l'intérieur de la piscine. Ok, d'abord, je vais prendre l'outil ligne. Ok, je crée ici une ligne, voilà, pour créer une couverture au dessus. Ok, maintenant je vais prendre l'outil pour s'étirer.
je le décale un peu à l'intérieur, voilà, de 0, 1. Et voilà ce que ça fait. Maintenant, cette surface, je vais appliquer, voilà, de l'eau ici. Je prends, par exemple, au aspect brillant. Je mets et vous voyez, la couleur a changé. Maintenant, vous venez dans édition, voilà, pour diminuer l'opacité. Donc, afin que ça soit transparent. OK? Voilà, vous venez. Voilà, vous diminuez. Et là, vous voyez que la couleur, en fait, des carreaux au fond apparaissent. Donc, vous voyez. Donc, là, c'est bon comme ça. OK? Maintenant, c'est juste ces rebords-là qu'il faut maintenant retoucher. Donc, pour ces rebords, il faut changer le matériau, retourner au carrelage. Je prends, par exemple, c'est toujours le même type de faïence. Voilà, et on applique au niveau de ces rebords. Voilà. Il faut utiliser l'outil pivoter pour pivoter autour du modèle afin de visualiser les autres faces. Et voilà. Et voilà. Et c'est complet. Et voilà les gars. Maintenant, ici, j'ai oublié d'appliquer la matière. Je retourne, je prends aspect aménagement paysager et je vais chercher le type de matériau que je vais appliquer. Voilà, c'est ce matériau et je l'applique à ce niveau également. Et voilà, vous voyez, vous êtes parvenu maintenant à modéliser une piscine en appliquant également les matériaux. Voilà, donc vous pouvez venir afficher les différents vues ici, vue de dessus, vous voyez, votre piscine est là. Voilà, ici vous avez une vue de face, une vue arrière, voilà, et là, vous voyez, voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à avoir une bonne prise en main avec votre logiciel SketchUp Pro 2021. N'oubliez pas de nous donner des likes, de commenter, de faire des suggestions. Et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de suivre du début à la fin. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels.